Alors, Papa Malongi, Ndeko Yayo, Shaingenge. Abeta Zenit, Olympia, Bercy, Abeta la salle mythique, Katambola Canada, Kita et Mgombi. Mais Shaingenge, tu comprends. Dernier concert, dans 155, dans le club, dans Willery. On a une Nazala, tu as un Papa Chirabi, Shaingenge, Pako Lembong, tu as un club. Je suis allé à la fin de YouTube à Paris, brigade de Salvatore à JB. Ah, Moutou a blessé papa chéri, il a été ma RFI, il a été ma RFI. Il a été longtemps, papa chéri, il a été Ouera. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec la famille de Papa Wemba? Seulement les relations qu'on doit garder. Les intimités de la famille, ça, moi, ça ne me concerne pas. Mais, ne crois pas quand si, j'étais. Si quelque chose va mal, non, on peut aussi vous interroger parce que vous, pour nous éclaircir. Non, mais attends. Qu'est-ce que vous trouvez du mal lorsque la famille s'organise à faire ce qu'ils veulent faire? Vente pour que l'argent sert à quoi? Et que l'orchestre est maintenant dans un état de difficulté financière ou comment? Tu as une question. On peut s'agir même pour la Banzembo. Banzembo? Oh! Je suis un peu Banzembo qui a agi même pour la commission. Alors, chers amis, nous sommes en direct ici dans Bandal, c'est Paris. Tu écoutes le grand Bokulaka Venabiso, c'est mes doigts. Oui, Azali, moi, Kolo Malongi, Papa Malongi, ou bien Kolo Bagnonio, Nyonya Dindaga. Venabiso, c'est Nado. Bonsoir. Bonsoir, Pacho Refi. Alors, bonsoir, les candidats qui n'ont pas tout le monde, qui n'ont pas tout partout dans le monde, pour savoir m'occuper de la carte, pour savoir que la carte est allée, veut toujours à bonne uniforme. Ça fait combien de temps la musique? Ça fait un bail là, ça fait beaucoup de temps que là il faudra réfléchir. C'est depuis 1985 que j'ai commencé la musique. Là c'était au niveau du quartier là-bas, vers Kingasan là-bas chez moi. J'ai commencé avec le vieux Malin Bécha qui était à ce moment-là à Mzoto. Et par après il était dans Victor Elexon. Il avait son petit groupe du quartier qui s'appelait Select Musica. C'est là où j'ai commencé avec lui et par après j'ai formé mon propre groupe qui s'appelait Balafon Boulamatari. Là où vraiment j'étais vraiment un peu célèbre. C'est comme ça que les gens m'ont découvert. Et puis voilà, c'est par là que tout a déclenché. Voilà. Parlez-nous d'abord. Aujourd'hui, la musique congolaise africaine, ça avance ou bien ça recule après la mort de Papa Wemba? Vous parlez de l'Afrique ou bien de la RDC? RDC, Afrique centrale. Bon, la musique, elle est là, la musique, ça fonctionne bien. Sauf qu'on est très mal organisé. D'abord, nous-mêmes, les artistes, nous ne sommes pas unis. Nous, on ne parle pas même langage. C'est ça d'abord qui dérange. Et ensuite, il y a beaucoup de petites choses qui dérangent cette musique-là. Des conflits inutiles, et manque d'orientation. Et puis, la société qu'on nous a, soi-disant, donnée comme, ou attribuée comme Sokoda ne fonctionne pas normalement, pas faute des administrateurs, mais faute du gouvernement qui pouvait mettre des moyens pour que les artistes vivent mieux. Mais là, vous allez voir, à chaque chanson, il faut mettre les mabangas. Moi, quand je fais ma chanson, c'est l'éducation, je ne sais pas mettre les mabangas, pas tu refis. Sauf les poèmes de la famille, oh là là, oh là là, oh là, où les enfants aiment beaucoup là. Et là, vous avez vu, je viens de faire Covid-19, vous allez voir qu'avec Covid, j'ai fait ma musique à part. Donc ça, musique intelligente. Bon. Musique moderne, je peux dire. La musique à mon genre. C'est-à-dire, j'ai, c'est pas musique moderne, musique. Non, mais c'est la musique. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre musique moderne et folklore? Non, tout c'est la musique. Chrétienne, tout ça, c'est la musique. C'est la façon dont ils ont adopté leur musique. Donc la nôtre, c'est la rumba, c'est la fiesta et ainsi de suite. Il n'y a pas de modernité dans tout ça. Tout ça est moderne. Mais est-il qu'il y a les folklores, il y a les typiques que nous faisons, et il y a aussi la musique gospel. Voilà, parlez-nous. Merci à Célestin Massiki, dans la mission au Canada. Merci à Gianni Mungu. S'il faut te répondre pour la musique en Afrique, ça marche mieux. Ça marche mieux. Et le problème, c'est que nous n'avons pas de producteurs, proprement dit, pour nous produire, pour nous mettre sur scène, pour nous mettre... Voilà, c'est ce qui nous manque ici. Là. Il n'y a pas de moyens. Mais les artistes émergent bien, les artistes font bien leur métier. Malheureusement pour nous, on ne s'entend pas. Bien sûr, parlez-nous d'abord. Papa Wemba, depuis que à Tiki Bisho, est-ce que les musiciens sont reconnaissants? Parce que
J.B. Pena a chanté Cavalier Solitaire avec l'icône de la musique congolaise africaine, les décennies de la musique congolaise africaine. Il a chanté Bologna. Après sa mort, est-ce que J.B. Pena, en tant que papa, est-ce que J.B. Pena a contribué aussi à vivre la musique? Bon, d'abord, Binadam ma Salvatore et de la patria, Moto Pamba, mais Azaranango. Bon. Moto Pamba, mais Azaranango. Je dis bien que vive la musique et les institutions. Vive la musique et les institutions. Vive la musique et les alliés, n'importe quel groupe, c'est un patrimoine. Alors, oya a chapota qui ango, a komaki icône. Alors, baoba wana suke koi pacho na ebisio, mon cher ami, c'est pas facile. Yako koma na otero yako magi. Alors, je crois que c'est par là, bozo mouna neti vive zate. Vive zali. Yava petit nangaï, Neymar Azali qui fait la voix. Alors, viens parler nous d'abord. Papa Wemba, envie, tout le monde qui va exploiter belé. Première des choses, tout le monde qui. Dans ma concert est belé, papa oui a raison de wenger 4x4, papa oui malo comme ça jibe, tout le monde a 600 jibe pour la bim, papa oui madame ben a vien nanga, ben a vien nanga, papa oui ma koufi, tout le monde présence ma monsieur belé, tout ça n'embonda, koufi nous voilà na habité, est-ce que ma assistante qui peut pas jibe, peut pas wenger, parce que jibe pendant tout ça on entend jibe parce qu'il est allé pas trop à wenger, il y a des images à vivre à la musique. C'est ça que je dis. D'abord, Bobenga Gaye, Salvatore de la Patria. Binadama, Jibem Piana, tout ça comme vous voulez. Bon, Moto Pamba, mais à l'année, Moto Pamba, Naebi Gazarane Nango. Bon. Mais Oebi, si on peut se le boko à droite, il ne faut pas que le boko à gauche paye. Il y a des choses qui se disent comme ça, quoi. C'est-à-dire, il y a des choses auxquelles on ne peut pas tout dire. Parce que là, c'est la télévision, non? Est-ce que je vais incriminer Jibé, il n'a pas donné? Est-ce que je vais dire oui, Jibé, il a donné? Ça, c'est quoi ça? Moi, je crois que chacun sait ce qu'il fait. Chacun de nous sait ce qu'il fait. Mais à ce que je sais, à ce que je sache, tout le monde a jibé, jamais sauté dans mon témoignage, aux hommes mon papa Wemba. Il est là. Et puis, il y a le moko matanga. Et si la rambangue n'est pas à Bapaya, mais pas une abisso moko, on continue à vivre ça. Il y en a qui me disent, même Senado, est-ce que composer les papa Wemba n'est beauté? Moi, je dis non, ce n'est pas le moment. Il faut m'accorder du temps. Mutuana koyemba pamba pambate. Funa yemba ye et que mokile yo kake ah pire petit na yembie. Pour moi c'est ça. Zatena sala ngo précipitamment pour bo. Jibem Piana, c'est un monsieur, c'est un grand monsieur. Geste tout à salina ya salité. A croire que ça ne se tout pété. Il est là. Azab. Tout seul là. Ouais. Bandeko ba otala biso to kozonga mon question. On peut ça Jibem Piana banze monine. Banzembo. Oh. Je suis venu à commencer à agir pour la commission à Dokuna. Regarde-moi ça. Composition, droit d'aide. Donc, je ne sais pas si je suis pas à parolier. Non, 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 non. Mais quand même, d'abord, je rectifie. Aussi consulté non, attends. Aussi pour certaines attends. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de. Il y a des paroliers comme les mots Saka. Ben, ça va parole bien. Ça vient du mot parole, parolier. Ça, donc, moi je suis pas parolier, moi je suis chansonnier. Comme les autres, les Pascal Pouba, les Jojo et consorts. Moi je suis chansonnier. C'est pourquoi bon parce que je m'explique. Oui, je m'explique. Parce que c'est pour les Naibi, 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 déjà une parole. Il y a une mélodie, un rythme, un tic dans tout. Bon, baba, critère, je suis content de vous compter que la parole à Pamba. Bon, ça suffit l'ensemble pas. De tout ça, ezo benga mana kombodi. Chansonnier. Chansonnier. Et alors, à port na yo, Jibem Piana, vivant, na zongara na question, pas tu refi atouni. À port na yo, na ba tutre, ya ba nzembu nin, na tolo ba tsoit album nin, oyo mema participation d'état chansonnier. Oh, nga zaye collaborateur à Jibem Piana, tout le monde le sait. Voilà. C'est le billet bon côté. Ozalaki, donc aujourd'hui tu ne fais plus. Oui, parce que il y a un moment où on a des médailles. Et où on a des travail. Bien sûr. Non, mais attends. Bien sûr, on a intervenu dans le parce que j'étais son collaborateur en fonction de Moussalawana. Ça dit que ça doit être quand même traité. J'en ai traité aussi. Voilà. J'en ai traité quelques-unes, pardon. Mais dire que donner une chanson à Jibem Piana. Sauf que j'ai quand même fait de l'amour, je travaille fort. Voilà. Aujourd'hui, là, tu as toujours envie de vivre la musique.
Bon, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un collaborateur à Papa Wemba. Je suis un pire petit peu. Je suis un petit peu plus de temps. Je suis un secrétariat, un trésorerie, une trésorerie, une mission. Donc, en dehors de la musique, je suis un peu plus de temps. Mais une chose est vraie, lorsque vous servez Papa Wemba, paix à son âme. C'est l'orchestre le plus touché en fait. Voilà. Donc il y a une question qui revient. Fafa. Il y a une question qui revient. Est-ce que tu es Fafa Daé? Oui, oui. Oui, et puis que. A José Nambonda Daé. Oui. Paix à leurs âmes. Voilà. On ne les oubliera jamais. Merci beaucoup, Torobo Sanabangote. Et alors aujourd'hui, là, les informations commençaient déjà à circuler concernant vente et à parcelle au Papa Wemba à Tikina Niveau, il y a ma campagne. Et Toko Zobe éclaircissement y par là. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec la famille de Papa Wemba? Seulement les relations qu'on doit garder. Les intimités de la famille, ça, moi, ça ne me concerne pas. Ne crois pas quand si, j'étais. Si attends. Quelque chose va mal, non, on peut aussi vous interroger parce que vous, pour nous éclaircir. Non, mais attends. Qu'est-ce que vous trouvez du mal? Lorsque la famille s'organise à faire ce qu'ils veulent faire. Vente pour que l'argent sert à quoi? Et que l'orchestre est maintenant dans un état de difficulté financière ou comment? Je ne sais pas. Voilà. Moi, je suis, c'est comme j'avais dit là, je ne suis pas dans Viva, mais je suis un collaborateur extérieur. Voilà. Tu vois, là, ils peuvent me consulter s'il y a quelque chose qui ne marche bien pas. Sûr, bien sûr. Mais dans, non, non, moi, je démarre. Tu ne vois pas, il y a mes histoires qui passent déjà à la télé. Il y a plein, plein d'histoires qui sont dites à la télé ces derniers temps. Vous allez remarquer encore. Alors, ça montre que j'ai commencé à prendre mon chemin. Voilà. C'est comme papa me l'avait dit. Il m'avait dit, toi, tu es Tata Malong. C'était une prophétisation, c'est-à-dire... Il m'a responsabilisé, il m'a donné la façon d'être, il m'a façonné, il m'a dit non, même si je ne suis pas là, il faut prendre les devants d'un parent. Alors, les devants d'un parent, c'est travailler. Bien sûr. C'est là où je suis en train de commencer à faire mon travail. Alors, il y a Bango, il y a Bango, mais qu'est-ce qu'il n'abuse pas? Parce que ça abuse tout. Veuillez m'excuser parce que la question m'a dit, est-ce que tu me cherches? Oui, parce que tout le monde, Bob, dire tout le monde, c'est un peu trop. Génération de Papa Wemba jusque-là. Jusqu'à Bino. Tout le monde a quelque chose de Papa Wemba. Bien sûr. Merci. C'est ça que je voulais que vous confirmiez. Tout le monde a quelque chose de Papa Wemba. Voulez ou pas? Sénador. Kindoki. Des fois, tu sais. On n'est pas demandé. Il n'y a rien à faire. C'est la tite dit. Ça se passe toujours en champion. Bon. Quand ça se porte bien. C'est du lourd. Quand ça se porte bien. Ça fait du bien aussi. Il faut la caisse. Alors, Papa Malongi, Ndeko Yayo, Shaingenge, Abeta Zenith, Olympia, Bercy, Abeta la salle mythique, Katamola Canada, Kita et Mgombi. Mais Shaingenge, tu comprends, dernier concert, il y a 155, il y a un club, il y a Willery. Il y a Nazala, Papa Chirabi, Shaingenge, il y a Pako Lembong, il y a un club. Je suis allé à la YouTube à Paris, je suis brigade de Salvatore à JB. Ah, Moutou a blessé papa chéri, je suis allé à la fille, je suis allé papa chéri, je suis allé à la fille. Je suis allé à la fille. Je suis allé à la vérité. Bomba. Il y a des choses qui se passent. Je suis allé à la fille. Je suis allé à la fille. Voilà, tchabou la gare. Mouge panga boule. Donc, qui m'avait? Mouge qui m'avait? Qui m'avait? Mais yaïg. Yina qui convenge et tout bas. Yina qui langue n'angé, attention. Quand tu m'aimes, même en jingamba, bim, petit loup. Bim, pas micole. Akula. Ça va? Voilà. Continuez, vous avez la parole. Bon, voilà. Je voulais dire que Chahi, c'est un grand artiste. C'est un grand artiste, faute des moyens peut-être, non, peut-être pour remarquer en haute. Mais il est en train de faire ses histoires là, des studios et quoi. Au lieu d'abler on est au Misamba, je crois que ça sera bien parce que j'ai été là. Na yoki musique on a yoki wana, lito nanga yoka RFI ebi ke na yokaka. Na yoki non seulement parce que ça petit nanga, mais na yoki boulot wana et convaincre nanga bato. Toti kama kama polémique, papa chéri, ouera son baza. D'abord ouera papa chéri, c'est un. Tout ça, la part des choses. Nous sommes les seuls garçons qui ont été en train de se faire.
pose-moi la question, je te réponds directement. Nga nazo servir et pas à JB. En même temps, nazo servir et pas à Wera. Et nazo zo conflit, yeba JB sera très jaloux, hein. C'est bon, jalousie pas dans sens yanin. Il y a boulot naï. Il est sénateur assemblé. Il n'a pas mis au déconné. Bah sénateur. Bah moi de la Yesu mouvement. C'est gain yok toi, si on dit mi affaire voilà. Il ne peut pas oser dire mon problème à Séguin. Mais Séguin est chef de gouvernement. On a l'air à l'élonde, Bozali Zali Kaka. Voilà mon Tchakoulenda. Tchakoulenda. Chef de gouvernement. On a l'air à Tchakoulenda. Chef à gouvernement. Afande. Deux fois, t'es. Donc, l'air, on a même yé mopé Afande. Pour a banda ma kamouana, ba yé bisayeli kamlanga, ou bang apé goloban. Parce qu'à yé, on a. Ah, on a toko perdre, t'es. Bessenado, tout cela, il y a 4 ans, il y a 4 ans, il y a 4 ans qui passent bien dans la minute où il y a une polémique, il y a 4 ans. Manda chante, il fait descendre à Papa Wemba. Il y a une cop qui est dans Gombe. Il fallait prendre Babeta chez Nadine, dans un point pour Oscom. Il fallait qu'il y ait une fête, il y a un ministre Moro. Il fallait que Babeta. Il y a même un fumbo. Papa Wemba Bengi, Manda chante. Il y a une fausse à la composition. Mais au niveau, il y a rien à Manda. Tout le monde demande comment on a polémique, il a fallu, naya ferry, il y a entendu beaucoup là. Réaction de Gozan. Polémique, on est dans une dernière. Bah, n'habite que Tata, mais comment on se le balance, ça c'est vrai. Non, époque où il a fallu, acoustique ferry, ben tiens, on a besoin d'un idéologie a fallu. Bon, malheureusement pour moi, j'ai pas encore suivi, mais si c'est le cas, il faut pas, par exemple, un grand garçon, il faut pas vendre ensemble, le bas solo là. Il y a entendu les paroles de la nouvelle révolution. Non, je dois pas dire que s'il y a des conflits, je dois gérer les conflits. Non, ça non. Au contraire, moi j'aimerais la réconciliation. Je ne peux pas gérer un conflit. C'est-à-dire, s'ils ont des conflits, s'il y a de ce genre de conflits, ils doivent réparer sans traiter. Ils sont des grands garçons. Tu crois que ce sont nos parents qui viendront encore nous éduquer? Bon, je ne sais pas, ça c'est vous qui m'apprenez tout ça là, excusez-moi. Peut-être que tu as ma place, monsieur. Donc, Ngaï, je ne connais rien. Le tableau nous a dit que ça va bien goûté. Et puis, je ne sais pas si. C'est là où je t'avais dit au départ là, que il y a toujours des mésententes dans cette musique-là. Elle est très mal gérée comme ça, si c'est le cas. Mais si ce n'est pas le cas, alors, si c'est le cas, pardon, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se parlent, qu'ils se regardent des yeux, et puis trouver la solution. Entre, ce n'est pas nos parents qui viendront encore nous enseigner, voilà, c'est nous-mêmes. Nous sommes devenus des grands-parents, des parents. Nous devons assumer, nous devons prendre les responsabilités, nous devons prendre notre devant. Nous n'allons pas attendre qui que ce soit. C'est comme aujourd'hui, tout le monde est emporté avec la politique. Ce que nous, on regrette, parce que là, cette politique-là, nous, vous voyez, il y a les musiciens qui ont fait beaucoup de chansons de Covid, et ainsi de suite, et moi-même aussi, je l'ai fait. Mais allez poser la question à ces gens-là qui souffrent. Combien on a donné à qui alors? Rien du tout. Alors, les excellences que vous appelez les excellences et tout, bouffent bien, sont bien. Bien sûr. Les fonds entrent, mais les musiciens sont premiers. Avec nos propres moyens, on enregistre, on paye le studio, on chante, on réalise tout, les images et tout. Mais les retours, on ne vous donne rien. On ne nous donne rien alors. Ça veut dire que vous soutenez les démarches du Koffi Olomide. Oui, ben écoute, quand il parle quelque chose de bon, il faut soutenir. Hein. Exactement. Nous voulons bien vivre, t'en fais pas. Nous voulons bien vivre parce que nous avons droit à la vie. Mais selon vous, si le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilomoukou Ntombolo, en tant que Kinois, il dit que non, dans le gouvernement prochain qui vient, on va mettre l'artiste, bien musicien, à la tête de la ministère de la Culture. Selon vous, on va choisir Ferré ou bien on va choisir Fally ou bien Koffi Olomide? Non, selon vous? Non, moi je dirais non. Pourquoi? Moi je ne vais pas prendre cette démarche-là. Moi je dirais non. Si on met un artiste, je vais te donner un exemple. Il y avait Sokoda qui était là-bas, Blaise Boula, qui n'était même pas un DG, qui était je ne sais pas quel grade il avait là-bas. Mais on l'a combattu aussi. Par qui? Par eux-mêmes les musiciens. Je crois que s'il faut choisir quelqu'un, ce n'est seulement pas les musiciens. Nous avons des plasticiens, nous avons beau. Les artistes ne sont pas seulement les musiciens. Nous sommes nombreux. Les artistes comédiens, peintres, tous ces mondes-là sont des artistes. On peut voir qui peut assumer, qui a la connaissance de la matière.
Merci à vous, cher ami. À l'époque, avec Papa Liolo, voilà. Il pouvait les faire. Voilà. À l'époque, avec Papa Liolo, c'était un grand monsieur qui pouvait assumer. Mais personne n'a tenu compte. N'est-ce pas, Taboulé aussi avait assumé quelques responsabilités de la ville ici. Il y a des messieurs qui ont la bagage, hein. T'en fais pas. C'est question seulement de voir s'il y a quelqu'un de bien qui peut travailler là-bas. Mais un artiste, il peut bien travailler, mais les autres artistes ne l'accepteront jamais. Merci à vous, chers amis. Nous sommes arrivés patron à la Souka, dernier mot. Aujourd'hui, votre jeune frère, artiste en cinquième génération, l'ambassadeur de l'Université de la Paix, Héritier Watanabe, en plein studio, il se prépare pour lancer une opus qui s'appelle « Mi-ange, mi-démon ». Vous, en tant que Mbiaka, au soutenir Batébel, parce que moi, je suis un non, je suis un roi Babel. Pour appeler ça une mélodie. Je suis un roi Babel. Et se voir dans le comité, petit, il faut que tu il faut que tu il faut que tu aies beau. 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 Il faut que tu aies courage. Et puis, il est bien. Il est ratata. Et puis, il faut soutenir les jeunes gens qui viennent après. Parce que cette musique-là ne va pas s'arrêter. À moins que vous voulez que ça s'arrête. Sinon, ça ne peut pas s'arrêter. Si ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Héritier, il est bien. Il se positionne bien avec sa carrière. Je crois que c'est un monsieur, un petit frère qu'on doit soutenir. C'est un grand monsieur déjà parmi les messieurs. Et puis, c'est ce genre de petites histoires-là qui nous séparent que moi, je ne veux pas. Il faut aimer l'autre. Même lui-même, le Seigneur, apprenait ça. Hein. Il faut qu'il y ait l'amour. Parce que lorsqu'il y a... Moi, je suis qu'un simple chanteur, chansonnier, comme vous voulez. Là, il y a confinement. Vous croyez, je vais m'en sortir comment? Même les carburants de ma voiture, tu sais, ça demande tout quoi? Ça, tout ça, la campagne à Patrick Bologna. Peut-être que c'est une réponse. Ah, Patrick Bologna. On a pas de place à Zali. Voilà. L'homme de Kek. Après moi, renom kek. Nazawa. Monsieur. Huitième merveille. Tu prends quoi? Vieux sénado, tu prends quoi? Qu'on prend quoi en Irlande? Tout n'arrête. Moutouabat. Défaite. Et on l'aime beaucoup. Défaite. Je le salue. Huitième merveille. Oui, bon, il a toujours été merveillé. Bien sûr. Alors, quelques dédicaces dans le programme Nayo. Parce que pour tous les autres, à la mission, on a mis l'us des stars, ma page. Ici, on n'a pas chrétié les gens. Ici, on a parlé seulement des actualités musicales. On a proposé, on a parlé un peu de rapage, les gars, aussi à la musique. Parce que, mis au bang, on n'a pas choqué, parce que, dans la minute, on a des fois. Mais c'est la bambote. On a coupé ça, on a un artiste, corporation, on a un nion, son beauté. Guérison, maman, Tchalamon. Oui, le bico. Il y a un moment où on a mutuno chachele bo lokolo likolo tout ça, un moment on a mingité ils a basé ma patrimoine. Donc vraiment, je vous jure, à cœur ouvert, nzambe pardon. Nakoyeba soki siko na minute oyo programme na ngezali kaka nzemba coronavirus, c'est covid alphabet moboti a lettre c pe ki sa mwana na yo de mesana na ye lokola vitamine c plus confiance pourquoi lelo. Aponi Kakaroli à Serkei. Matoi Manga, au Sepeliango. Réforme l'eau sans la palabra. Boposo Nanga, on y mi. N'a pas souci. Ce que vous avez dit, Nassamoué. 6 millions, pas souci. 6 millions. Réforme là. Loposo Nanga. Ah, pas tu es bien, moi. Merci beaucoup. Somme trop. Trop somme parce que oui, musique est perdre le mot. Hein? Au monde a été vide, moi, Zali. Il y a beaucoup. Depuis beaucoup l'accueil, vous sentez que la musique s'est appauvrie. Vous avez remarqué, on a le baoté pour la pire beauté. Mais la musique s'est appauvrie elle-même comme ça. Alors, cher l'homme, je vais vous dire que dans un costume, pour ne pas faire ça, il y a un le national, ça peut être à Weston. Dans la Tangora, une fois la fête. Mais sur le latin, on doit dire bon, somme. Abi, où est-ce que vous avez ça veut dire que on a misé. Ça dépendra du gouvernement. Est-ce que le gouvernement est organisé? D'abord, place Bakundi Ewana. Tilelo, Balobaki va délocaliser Ewana. Azaka Ewana, est-ce que Bongisi Mali, ta famille est Bongisa? Oh non, petit cas, c'est l'État aux en charge. Est-ce que ça l'a
Donc il y a des problèmes qui se posent là-dessus quoi. Donc makamwana kute sala nga ba friction kwa lo bangote. L'homme est parti, bon bye bye pour me hater trop moi na suka molongo. Bambote na pesina bana poto nyonso ba ibingai ba Corneli Malongi, ba Mushashino, ba mama Janine na mobali na ye, Roger, ba mama Nicole na mobali na ye, Gilles Mandongo, baza e belé plein en conseil, c'était ba Marie Laure, Yaone. La fille la plus intelligente du pays. Donc, na pesi batutu vraiment au balinga nga tenga na lingi bango. Et puis na tambola chauffeur. Mais deuxième chauffeur les Zoya. Tourner na osalango na semaine. Wana suliwa. Voilà 40 botama papa wimba. Ezali. Ezali. Jeep na ngali. Voilà ça tout ça tour kuna to zone. Alors Corneli Malongi, merci à Marie-Claire Chango. Marie-Claire Chango. Célestine Masikini, Célestin Masikini, Agbaya Samanton, la Pessimbo Tebele, l'Angèle Djasuka. Alors, aux autres, les gars? Ah, les guides. Ah, ok, voilà. Alors, la Pessimbo parole, pas à Bira Pessimbo. Voilà, merci beaucoup. Nabino Nyonsotou, Babi, abonnez-vous massivement sur www.kamodi.mb Télévision. Merci.